Hello chers amis, bienvenue à vous sur les tutos de Condé. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment on peut booter une clé USB avec CMD. Mais bien avant tout, likez, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour d'autres tutoriels. Et pour qui je vais vous demander une clé USB et un fichier ISO qu'on va copier le contenu dans la clé. Sans plus tarder, allons booter la clé. Vous allez premièrement introduire votre clé. Et vous allez faire Windows plus R. Dans la barre qui va s'afficher, vous faites CMD. Vous validez. Et dans CMD, vous allez taper Disk Part. Disk Part, comme c'est affiché sur l'écran. Après avoir fait Disk Part, vous allez faire Liste Disk. Pour afficher la liste des disques qui sont branchés. Comme vous voyez, il y a disque 0 et disque 1. Disque 1 est ma clé USB que je viens de brancher. Ce qui m'a permis de l'identifier, c'est parce que ça fait une clé de 60 Go. Vous voyez, c'est 57 Go. Et disque 0, c'est toujours le disque par défaut qui est sur votre ordinateur. Si vous avez plusieurs disques, ça va s'afficher aussi. Il y a disque 1, disque 2, disque 3, ainsi de suite. Donc, moi, je vais sélectionner ma clé qui est le disque 1. Donc, je vais faire Select Disque 1, comme c'est affiché. Voilà, blanc sur noir. Et on va faire clean pour nettoyer la clé. Après, on va faire create partition primary pour créer une partition sur la clé. Et après avoir créé la partition, on va essayer de formater la clé au format NTFS. On va faire format FS égale NTFS quick. NTFS quick. J'ai oublié de mettre le quick devant ce que j'ai écrit là. Quick. Q-U-I-C-K comme sur l'écran. On va patienter pour que ça fasse 100%. Une fois que c'est déjà 100%, on va faire active pour activer la clé. Active pour activer la clé. Après avoir fait active, on va faire maintenant assigne pour donner un chemin de lecture à la clé. Par exemple, le lecteur F, lecteur A, lecteur B, lecteur C. Vous voyez ? À droite là, c'est maintenant lecteur USB F. On vient de booter la clé, donc maintenant on va quitter Disk Part et puis on va quitter l'invite de commande avec Exit Exit. Une fois déjà fait, on va maintenant aller vérifier d'abord le système du fichier si c'est réellement en NTFS. Donc on va faire clic droit et puis on va cliquer sur Propriétés. Vous voyez, le système du fichier est maintenant NTFS. Système de fichiers NTFS. Vous pouvez booter la clé. Il y a une manière plus simple de booter la clé aussi. Vous pouvez formater la clé et en choisissant le système du fichier NTFS. Maintenant, ça marche en 10 secondes seulement et puis vous avez déjà booté la clé pour l'installation. Et maintenant, on va copier le contenu du fichier ISO. C'est mon fichier ISO comme ça. Je vais copier le contenu et coller sur la clé. On va faire CTRL C pour copier et puis revenir sur la clé, je vais revenir pas à pas. Voilà, on est là. On va entrer dans la clé maintenant. Et on va faire CTRL V pour coller. Ou bien on va faire clic droit. Et puis cliquer sur coller pour coller. Donc, après avoir collé, on va patienter jusqu'à ce que la copie se termine avant de lancer l'installation.
Une fois la copie terminée, vous pouvez maintenant redémarrer votre ordinateur sur la clé pour démarrer l'installation du système. Je crois que dans mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment on peut installer un système d'exploitation. Vous pouvez même cliquer sur le lien juste en bas, vidéo suivante là. Vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à la page de la vidéo de comment installer un système d'exploitation. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci et restez branchés pour la suite.